Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la présentation d'un jeu Yggdrasil. Donc voilà, j'espère que je le prononce bien. J'ai dû attendre que mon mari rentre car je n'arrivais pas à prononcer. Eh bien oui, vous savez que je suis dyslexique, donc c'est assez difficile. Donc ça, je ne pourrai pas le lire, hein, donc je vais vous laisser donc au cure, ok, mais après j'ai peur de de pas savoir le lire. Donc c'est un oracle divinatoire nordique, donc qui se présente dans un coffret, donc qui est à 29,90 €. Découvrez votre destinée avec Yggdrasil, l'arbre monde. Oui, bah l'arbre de vie en fait qui est représenté chez les Vikings. Voilà. Inspiré de la riche mythologie scandinave, cet oracle fera entrer la sagesse ancestrale dans votre vie. Ces 81 cartes ainsi que le guide les accompagnent ont été conçues pour la divination et vous apporteront des conseils et une connexion spirituelle. Créé par un artiste de renom, membre du mouvement néo-païen, les dessins à la plume illustrent de manière très expressive les Eddas, magnifiques écrits relatant les légendes d'autrefois. Si vous désirez approfondir vos connaissances du panthéon nordique, inspirez-vous des guidances de Thor, Oda, Freya et Nana. Je crois que ça se dit comme ça, hein, Nana. C'est ça. Donc, on a 81 cartes et on a un livre d'accompagnement de 216 pages. Donc, le coffret se présente ainsi. Donc, très joli. Avec le livre. On peut vraiment parler d'un livre, hein, c'est pas un livret. Le jeu. Donc, la boîte, elle est assez profonde. Hein. Donc, on va mettre ça là. Le jeu, on va le mettre là, qui est dans un super beau pochon noir. On va regarder un petit peu, donc ils appellent ça le guide. Donc, il y a des mots que je ne pourrais pas dire, hein. Vous le savez, qu'il y a des mots que je ne sais pas dire. Donc je préfère ne pas les dire au lieu de dire n'importe quoi. Donc ça, c'est le sommaire. Alors, si je devais apporter un petit côté négatif, c'est que pourtant, même avec mes lunettes, voilà, moi j'ai un peu de mal, c'est écrit vraiment petit. Après, voilà, c'est que le sommaire, hein. Je pense que... Voilà, derrière c'est un peu plus gros, oui, mais légèrement. Hein. Donc, on a la présentation des cartes, voilà. On vous dit comment utiliser les cartes, la symbolique des animaux, l'importance du cercle, l'histoire de la création dans le paganisme nordique. Alors, j'aime un peu moins l'écriture là parce que vous voyez, faut vraiment... voilà. Germe d'idées, et alors là, j'arrive même pas à le lire. Inuantivité, peut-être. Voilà, je veux pas dire n'importe quoi non plus. Voilà. L'importance du chiffre 9, les points cardinaux, le tirage de l'arbre, les emplacements. Voilà. Donc, c'est peut-être pas un jeu avec lequel je vous ferai des vidéos, parce que moi, tout ça là, je ne sais pas dire. Voilà, je vous laisse voir. Moi, c'est rien que ça pour moi qui suis dyslexique. Svartal Fayemur. Puis encore, je suis pas sûre de bien prononcer. C'est là qu'on voit, je vois la complexité des mots. Si je suis obligée de découper le nom à chaque fois pour faire le tirage, ça va pas être possible pour moi. Donc, je vous le montre. Le jeu, il est magnifique. Mais pour dire les noms, ça va être... Bon, bah, Odin, c'est facile. Hein. Donc, ça, c'est la présentation de la carte. Et vous avez le texte derrière, donc là aussi, avec le texte, voilà. Donc tout le long, c'est comme ça. Je regarde si, à propos des auteurs, voilà, c'est tout ce qu'il y a dans le livret. Concernant le jeu, alors moi par contre, j'aime beaucoup les cartes. Déjà, ça change un petit peu ce côté argenté. Donc c'est le côté, donc ça c'est le dos des cartes, voilà. La petite tranche brillante, on la voit bien. Et les cartes, elles sont super jolies. Franchement, ce petit côté noir et blanc, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, ce que je vais faire, je vais vous... Ah, ça, c'est le pochon, en fait. C'est les petits morceaux du pochon. Je vais vous présenter les cartes et je vous laisse les découvrir.
Voilà pour la présentation des cartes. Alors, sur chacune des cartes, vous avez une petite inscription. Celle-ci, je l'ai trouvée très jolie. Donc, on nous dit le passage entre la vie et la mort. Voilà. Je vous montre. Donc, sur chacune des cartes, hein, là, par exemple, nous avons la réconciliation des contraires. Voilà. On va reprendre une au hasard. Souveraine des peurs. Donc voilà, on peut aussi essayer de faire un tirage intuitif. Et puis vraiment, si la carte, on tombe sur un message qui ne nous parle pas, prendre appui dans le livret, voir dans le livre ce qui est dit. Donc voilà pour la présentation de ce très beau jeu. Vraiment, les dessins sont vraiment très très beaux. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!